Allons maintenant à Tinkodgo où l'heure était au transfert de documents et manuels de traitement et de gestion du foncier en milieu rural aux différentes communes. Ce sont des documents réalisés avec l'appui du Millennium Challenge et Count. Des précisions avec Nathalie Sawadgo. L'heure est désormais à la recherche des voies et moyens afin de pérenniser les réalisations du Millennium Challenge et Compte après la fin du compact en juillet dernier. À Tinkodgo, les acteurs des collectivités locales se retrouvent pour transférer les outils du programme de sécurité foncière aux services techniques locaux en charge du foncier. Cet atelier vise ici à transférer un ensemble de documentation qui consiste en modules, en guide, en manuel, tous les textes qui rentrent dans le traitement et la gestion du foncier en milieu rural. Cette rencontre va permettre aux autorités communales de mieux s'armer pour faire face à l'insécurité foncière et aux expropriations abusives. Cela en vue de réduire les conflits liés à la terre. Nos communes sont confrontées à de nombreuses difficultés dans la gestion du foncier. Et chaque jour qui passe, on rencontre des différends, des incompréhensions par rapport à l'occupation des terres. Et nous pensons que cette rencontre va être l'occasion pour les responsables des communes de mieux s'approprier des textes, des outils de gestion en ce qui concerne en matière de gestion du foncier. L'enjeu de cet atelier régional de transfert de compétences est d'assurer une gestion efficace du foncier par les acteurs locaux.